Alors, vous le mentionniez tout à l'heure, j'ai noté 95% des déchets du lieu, quand vous l'avez trouvé, recyclé. Alors, j'en déduis que cette table que je trouve très belle, sur laquelle, autour de laquelle on discute, j'en déduis que cette partie-là, tout ça, c'était déjà ici ? C'était, oui, en fait, ici, on était dans un bâtiment qui était une ancienne administration de la ville de Paris, donc il y avait, depuis 1892. Donc avant même l'informatique, donc il y avait énormément de placards d'archives, parce qu'on archivait très largement, donc dans toutes les pièces, il y avait beaucoup de bois. Et ce bois a été effectivement réutilisé, récupéré, réinventé par des menuiseries et des designers. Et cette table, elle a été faite par une structure qui s'appelle Extramuros et qui fait de la menuiserie à partir de bois récupéré et aussi qui le fait avec un chantier d'insertion pour des personnes éloignées de l'emploi. Alors, ce que je trouve intéressant aussi, c'est, on l'a compris, votre attachement à l'international avec un raisonnement qui est à l'ère de la mondialisation, quand on parle du Bangladesh, de ce professeur qui a le bureau juste derrière ce mur-là. Et en même temps, on sent qu'il y a une véritable volonté d'avoir un ancrage sur le quartier. Oui, parce que toute cette économie, elle est basée sur le lien social, sur l'impact. Et l'impact, il commence avec son voisin, avec celui qui habite à côté de chez soi. Donc, on ne voulait pas du tout d'un lieu qui ne parle qu'au monde entier, qui reçoit que des délégations internationales, mais un lieu qui soit très ancré sur le quartier. Ça veut dire que tout ce qu'on fait comme événement, il y a toujours, est toujours ouvert aux personnes du quartier. On a distribué avec la ville de Paris 500 lombris composteurs et formé les habitants du quartier au compostage. Mais aussi, on reçoit beaucoup de délégations de lycéens, de collégiens du quartier, les centres d'animation qui viennent comprendre ce que c'est que l'économie sociale et solidaire. Et même dans nos travaux, par exemple, les travaux qui ont été faits ici ont été accompagnés par deux classes de CM2 du quartier de l'avenue de Flandre dans le 19e arrondissement. Et ces classes, on leur a expliqué ce qu'est l'économie sociale et solidaire. Et ils étaient très intéressés. Ensuite, on les a amenés à rencontrer des entrepreneurs sociaux du quartier. Donc, ils ont été voir Enercop, qui est juste en face de l'autre côté du canal et qui est une société qui vend de l'énergie renouvelable, de l'eau, de l'air. Voilà. Et ils ont aussi rencontré les patrons des Marmites Volantes, qui sont un restaurant traiteur qui font de l'insertion et du circuit court, du bio-circuit court, c'est-à-dire de l'agriculture qui est à moins de 100 km d'ici. Ils ont été dans un café associatif qui s'appelle le Café Zoïde. Bref, ils ont rencontré des entrepreneurs engagés qui leur ont montré leur société et pourquoi ils ont fait cette société et quelle mission sociale ils ont envie de porter. Et puis ensuite, on leur a dit, voilà, on leur a fait visiter les canaux, on leur a expliquer un peu ce qu'on fait. On leur a demandé de nous faire des propositions sur l'aménagement et les usages et le programme que les canaux pouvaient porter. Et ils nous ont fait des maquettes exceptionnelles. Ils nous ont donné des idées formidables qu'on reprend d'ailleurs dans les événements. Ils étaient très ingénieux. Et puis, c'est eux qui ont fait l'inauguration en premier du lieu, puisqu'ils sont venus avec leur famille visiter le lieu une fois que les travaux ont été faits. Du coup, leur famille a pu voir et les maquettes qu'ils nous avaient apportées, mais aussi les travaux réalisés et tout ce qu'on avait pu reprendre. Voilà, on essaye de développer à chaque étape des actions avec le quartier, parce que c'est ici, c'est avec nos voisins, enfin avec... avec des vrais gens qui sont autour de nous, quoi, en fait, qu'on trouve les solutions. C'est-à-dire que les solutions pour répondre aux enjeux globaux, elles s'inventent à l'échelle de chaque individu. Et chaque individu vit dans une rue, il vit dans un quartier, il vit dans une ville ou dans un village, dans un département. Et c'est là qu'on va trouver les solutions, ce n'est pas des choses conceptuelles. Et dans l'échange, puisque en fait, cette salle où nous sommes là aujourd'hui entre nous a son équivalent en bas, et on a vu en arrivant qu'il y avait une réunion, et on a compris tout à l'heure en arrivant que c'était aussi un lieu où on échange beaucoup. C'est, on va dire, une des raisons d'être de ce lieu, c'est que de générer de l'échange.
Alors, j'ai vu aussi sur... C'est pour ça que ça s'appelle les canaux. Les canaux, c'est les interconnexions, c'est les échanges, c'est créer les synergies entre les gens. Donc, ce lieu, il est là pour ça. C'est-à-dire qu'il est à disposition de tous ces acteurs qui mènent des initiatives pour la planète, pour la solidarité, qui veulent entreprendre comme ça. Et donc, on leur met des lieux de réunion, de conférences, d'exposition, de conférences de presse. Et on est dans une démarche de don et de contre-don. C'est-à-dire qu'on va occuper la salle pour en faire une conférence de presse pour lancer son produit. Et en échange, on va organiser une formation pour l'ensemble de l'écosystème gratuite pour d'autres entrepreneurs sur son métier. C'est comme ça que les alchimistes, qui est un cabinet de conseil, accompagnent des structures sur la définition de leur plan de communication, que Ulule va former des entrepreneurs à comment monter une campagne de crowdfunding, que... voilà, il y aura 300 formations organisées, plus de 1000 structures seront formées en 2018 gratuitement au canot. Quand vous dites plus de 1000 structures, j'imagine que là, ça dépasse le quartier. J'ai vu d'ailleurs sur votre site qu'il y avait une volonté aussi un petit peu de fédérer les acteurs du Grand Paris, de ce Grand Paris dont on parle beaucoup, qu'on commence à voir arriver avec des stations de métro qui s'étendent. Il y a aussi un travail qui est à la mesure de la mégapole. L'idée, c'est de ne pas se substituer à ce qui existe déjà. Il y a des incubateurs, il y a des financeurs, il y a des collectivités. L'idée des canaux, c'est de mettre en relation, d'aider, donc d'orienter, de mutualiser et de permettre le développement et le rayonnement de ce qui existe. Donc, par exemple, on a travaillé avec l'ensemble des incubateurs du Grand Paris et des financeurs pour orienter les jeunes structures vers ces incubateurs-là. Donc, on mutualise l'accueil, la présentation des dispositifs qui sont présents pour les entrepreneurs et pour les nouvelles start-up, et puis ensuite on les met en relation. Voilà, l'idée c'est d'être au service de cet écosystème et de travailler avec tous les acteurs du Grand Paris qui sont impliqués. Donc on a des référents un petit peu partout et on souhaite travailler avec chacun et orienter vers ceux qui font et qui font bien de l'accompagnement, du financement, du mécénat de compétences, plutôt que de reproduire. Alors c'est intéressant quand vous dites on ne veut pas remplacer, supplanter. On comprend ici qu'on est en effet entre des volontés qui ont pu être celles d'un hôtel de ville, comme d'accueillir, notamment avec ces grandes salles, mais aussi au plus proche des entreprises, des grandes comme des petites. On sent bien le côté transversal qu'on a évoqué dès nos premiers mots dans cette économie sociale et solidaire qui est relativement à multiples formes. Alors, effectivement, en fait, toute cette innovation sociale et environnementale, elle naît des échanges, des bonnes pratiques, de la confrontation, des rencontres entre les besoins de la collectivité, les entrepreneurs, des grands groupes aussi, des consommateurs, des collectifs de citoyens. C'est vraiment de cette mixité et de ces temps partagés que naissent ces innovations et que peuvent se développer les projets. Donc nous, on veut créer ces interconnexions et on veut être les canaux qui permettent à tous ces acteurs de pouvoir ensemble travailler. Donc, on propose des dispositifs pour travailler ensemble, des moments de rencontre entre tous ces acteurs. Mais on accueille aussi tous ceux qui ont des projets comme ça pour pouvoir les faire connaître aux autres.